Allez, allez, bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode alors que je suis discret et que... Voilà. Il ne m'a pas vu, j'ai été très discret. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode, disais-je. Oui, chut, non, il y a un mec qui m'a parlé, qui m'a dit des choses. J'espère que le son est bon, j'ai pas pensé à le régler. Alors a priori, les problèmes de son sont enfin complètement réglés. En fait, c'était complètement juste des problèmes des fréquences, puis après j'ai augmenté aussi... la mémoire donnée au son, alors voilà. Comme je l'avais dit au dernier épisode, je vais donc faire cette émission là. À vrai dire, en fait, on repop autour, comment ça s'appelle, au même endroit où on repop quand on meurt. J'ai retraversé toute la carte, donc du coup, et j'arrive ici. Voilà. Que dois-je dire d'autre? Oui, alors donc je vous ai compris. Ouais, je joue à De Gaulle. Oula, je sens quelque chose. Hop, tu ne m'as pas vu. Pourquoi le spectre apparaît-il là? Je n'en sais rien. Donc, autre chose. Oui, avant de commencer, je dis des choses. Hein, je m'en fous. Il faut bien, de toute façon. Donc, je vous ai compris. Je vous ai compris. La majorité d'entre vous, alors que ce soit bien clair, pas tous, hein, il y en a certains qui aiment... Ah merde! Putain, j'avais pas vu. Voilà. Bon, lui c'est réglé. La majorité d'entre vous, on avait marre que je râle tout le temps. Donc, enfin du moins que je me plaigne tout le temps du jeu. Donc je vais, attention, je ne garantis pas encore, je vais essayer de moins râler. Même si il y a quand même énormément de trucs qui me donnent très envie. Voilà. Oui, avant de lancer la mission, je papote. Je vais tenter de moins râler, de moins me plaindre du jeu. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais me forcer à moins palabrer. Voilà. Ensuite, autre chose. Non, j'ai d'autres choses à dire, mais on en parlera après. Donc on va démarrer cette mission, puis on verra bien. Commencer la mission épreuve. Alors les Uruks doivent faire leur preuve dans les défis public mortel. Interrompez l'épreuve pour affaiblir l'armée de Sauron. Très bien. On va tenter de faire ça. Je n'ai jamais vu à quoi ressemblaient les tripes d'un Caragor. Libérez-le ! Eh ben tu ne me verras pas de sitôt, je pense. Alors attendez. Remarque. Regarde la mort. Se suspendre. Non, je vais pas me suspendre, on va dire. Hop là. On va y aller à l'arc en espérant que ça marche. Parce que l'arc est foireux, merde. Là, c'est moi qui vais le viser, c'est de ma faute. Non, mais c'est pas vrai, espèce de tête de trou du cul. Voilà. Flèche elfique requise. Attendez, j'en ai vu pas loin. Ouais, là il y en a. Tac tac tac. Oh là là, tac 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 tac. Ah, je crois que j'ai été repéré. C'était pas ce qui était prévu. Et il se passe quoi là? Mission terminée, épreuve. Pouvoir accru. Ah bah ça a réussi. D'accord, je sais pas comment j'ai fait, mais ça a réussi. Survécu à l'épreuve. Entrée, affiché, combat. Très bien, affiché combat, voyons voir. Ah ouais, non, j'ai pas réussi, c'est bien ce qui me semblait, j'ai pas réussi. Donc eh ben, il a gagné plus de puissance. Oui, bon, c'est pas grave, je m'en débarrasserai d'un moment ou là de toute façon. Très bien. Ah ouais, merde. Il m'a donné un coup à cause de ça. On donnait plein de coups. Allez. Donc cet épisode est très très frais, hein. Je le tourne par rapport aux autres. Je le tourne mais juste le jour avant qu'il ne soit censé sortir. Ce que je dis, il n'est pas très très français, mais attendez. Achève-le. Voilà, achève-le. Bien. Ce que je dis n'est pas très très français, mais mettons, on va dire. D'accord, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça, oui, j'ai perdu, hein. Ok, très bien. Très bien. Ah! Bah attends. Salut mec! Viens là!
vermine. Je t'ai tué, et tu es assez bête pour revenir. Ah bon, tu m'as tué? Je vais te faire encore plus agoniser cette fois. Je vais t'apprendre à rester mort. Mais non, que tu dis? Ah, je crois que je l'ai pris contre un mur. La force d'un nourrisson, j'aimerais bien voir ça. Voilà. Ouais bon, on va vite en finir avec ce putain de capitaine en repli. Ah si, c'est possible. Repli? Non, pas de repli. T'as cru que tu te repliais? Wouhou! Oh, dans son crâne. Voilà. Tu es mort comme tu as vécu. Alors en général ça se finit par une autre phrase cette expression. Tu es mort comme tu as vécu, comme une limace, ou enfin tu dis quelque chose. Donc dans la gloire ou quelque chose, mais... Fallait dire quelque chose. Très bien. Maintenant que c'est fait, est-ce qu'on a récupéré des flèches comme je voulais tout à l'heure? Parce que je sais pas si j'ai fait du coup. Allez, grimpe, grimpe, grimpe. Parce qu'il me semblait qu'on en avait plus. Oui, apparemment je les ai récupérés. Bon, certes. Certes, très très bien. Alors, voilà. Bien. Hop. Sautons. Alors, la carte maintenant, où est-ce que nous allons aller? Alors, il y a un truc ici qu'on n'avait pas trouvé, c'est vrai. On va aller là, je ne sais pas ce que c'est. Putain, il faudra vraiment... J'ai oublié de marquer. Ici, c'est marqué, je crois. Ah ouais, c'est marqué. Super, il fallait faire clic droit pour le marquer, en fait. Et voilà, allez, on y va. Laissez-moi entrer dans la cage avec ces idiots. Je vais les faire sortir. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui disent des choses, on va pas y faire attention. Des orques, ils ne me verront point, ils ne me verront point. Voilà, et de 1. Alors, drainer, interroger, major. Non. Ah, d'accord, faut rester appuyé sur plusieurs boutons à la fois. Voilà, comme vous l'avez demandé, j'interroge les gens, même si je persiste à penser que ça ne sert absolument à rien. On va se renseigner sur lui, tiens. Ok, il est moche. Krog le marqueur. Très bien, voilà. On s'est renseigné sur lui, c'est très bien. Ça ne sert absolument à rien parce que je m'explique. Les capitaines Rook, donc, enfin les capitaines, on les rencontre en se baladant au pif. Et de toute façon, une fois qu'on les a combattus une ou deux fois, si c'est juste pour débloquer leur faiblesse et leur force, une fois qu'on les a combattus une ou deux fois, elles se débloquent d'elles-mêmes. Donc on a pu le voir par exemple avec l'autre, le mec timide là, qui était borgne, je sais pas trop, enfin j'ai borgné ou je sais pas trop quoi. Voilà. Donc ce n'est point forcément d'un intérêt sans faille. Ah ah, j'ai découvert ton talion d'Achille. Oh, cette blague était toute pourrie, nulle à chier. Qu'est-ce que vous faites les mecs? Pourquoi vous tapez contre le mur? Alors je précise, cette blague n'était pas de moi. Même si c'est complètement le genre de blague que je peux faire, elle n'était pas de moi. Voilà, hop, je vais interroger des gens puisque vous me demandez. Hop, j'interroge des gens, voilà. Hop, tu vois, je plonge dans ta tête. Les renseignements vous relèveront les forces d'un capitaine. Voilà, en plus là, hop. Donc on va faire ça sur un mec inconnu, genre lui. Puf. Ujgrak, le fendeur de crâne. Hop, mais Dieu, ce qu'il est moche. Voilà. Décapité. Donc ce sera un épisode à blague, je pense, hein, parce que j'ai un ami qui... Je vais pas dire son nom des fois que... souhaite pas, qui m'en a fourni un certain nombre de pas mal. Attends, t'as intérêt à fonctionner l'arc, hein. Tu fonctionnes. Voilà, t'as fonctionné, c'est très bien. Donc il m'en a fourni un certain nombre à faire, et écoutez, je ne vais pas me gêner pour les utiliser, de toute façon c'est lui qui l'a proposé. Merci à lui d'ailleurs, il se reconnaîtra, et si jamais bah, il veut bien que je dise son nom, je le dirai. Hein. Je n'ai point pensé à lui demander cela. Alors, commencer duel, qu'est-ce que c'est? Les Uruks participent à des combats à mort pour démontrer leur férocité et éliminer leurs rivaux. Celui qui fuit ou qui meurt
est déclaré perdant, tandis que le vainqueur accroît son pouvoir. Interrompez le duel pour affaiblir la main de son. Donc cette fois, on va tenter de l'interrompre. Enfin, on va pas se faille comme le précédent. Donc ça veut dire pas d'arc. Mes gars ont vraiment hâte que je te tue, vermine. Quoi ? Je t'entends pas ! Parle plus fort, vermine ! Oh là là, que d'insultes ! Que d'insultes ! Oh ! La caméra était toute buggée, mais je crois qu'on a brutalisé un mec. J'interromps votre duel ! J'ai tué des tas de rôdeurs puants comme toi avant, mais aucun d'entre eux n'est jamais revenu à la vie. Qu'est-ce qui cloche chez toi ? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui cloche chez ce rôdeur ? Tiens, allez ! Allez, hop ! Oh, je crois que je l'ai achevé de manière bien. Ou alors c'est lui qui l'a achevé, je sais pas. Mais j'ai appuyé sur le bouton pour faire une exécution. Cool, on a... Qu'est-ce que c'est que ça ? Tué. Pouvoir accru. Très bien. Et... J'ai... Bon. Le problème c'est que lui il était pas... Enfin on a... C'est lui qui est notre allié. Bon je sais plus lequel est notre allié ou lequel est pas, on s'en fout, on va tuer tout le monde de toute façon. On va tuer tout le monde, ce sont tous des orques, on peut tous les tuer. Tous, sans exception. Ah ouais, j'aurais dû parer, je ne l'ai pas fait. Ah là cette fois. Ah non, j'ai cru que je l'avais lâché, mais en fait non, que dalle. Laissez-moi en profiter. Tiens-toi tranquille. Ça marchera pas. Haine de la défaite, ça fait quoi ça? Je sais pas ce que ça fait, mais on lui a fait. Oh là là! Je ne sais pas ce que je fais! Oh là là, j'ai pris quelques coups. Ah d'accord, il se régène ce con! J'ai l'impression que je suis dans la merde. Ah, t'es encore là, toi ? Tu vois cette balafre ? C'est toi qui me l'as fait. Je sais, tu me le dis à chaque fois. Ah ! J'ai pas réussi, non ! Quelle horreur ! Je serais vengé sur un autre si tu avais été plus malin. Mais c'est toi qui es venu m'emmerder. Oh là là. Ah, il a gagné plus de pouvoir, hein. Bah, c'est cool pour lui. Bien, bien, bien. Parce qu'il a survécu à un duel avec moi. Et pourquoi lui il est... Bah, j'ai pas compris. Non, c'est pas grave. Promu, certes. Uruk inconnu, promu capitaine, d'accord. C'est bien. Très bien, très bien. Tiens, il y a un arbalétrier lui. Je savais même pas qu'il pouvait y avoir des arbalétriers capitaine. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, bah comme ça, on sera mort. Quels sont ces tours d'argent ? Ce sont des lumières qui nous guident dans la terre des ombres, là où toutes les autres échouent. Le pâle reflet de la lumière des deux arbres est le souvenir d'un royaume perdu. Ah, il pleut genre bien en plus. Si, oui. Oh là là, c'est ça que je devais dire. Très important, très important. J'ai acquis un nouvel ordinateur, beaucoup plus puissant que celui-là, donc sur lequel je vais pouvoir tourner
tourner l'ombre du mordant de manière à ce que vous ayez une meilleure qualité, une meilleure fluidité, etc. Si c'est la magie spectrale, on ferait bien de se préparer et de rester sur nos gardes. Bon, alors, je l'interroge même pas, je le tue, hein, la flemme. Merci beaucoup. Aidez-moi à sauver mon frère. Il est bien trop. J'ai pas compris, mais oui. On est pour travailler pour ces Uruks. Oui, tu dis des choses, c'est bien. Que voulais-je dire? Oh, il y a un drapeau qui est apparu, je sais pas si c'est un truc sur la carte qui est apparu. Ah, ça doit être un orc. J'irai le tuer. Voilà. Alors, on va aller le tuer. Ah oui, d'accord. En fait, la grosse flèche, c'était un orc qui pouvait me voir de loin. Enfin, un éclaireur, quoi. Il est mort, c'est bon, il est mort. Ah, puis il pleut genre beaucoup, en fait. Coucou. Mais avance. Voilà. Merci. Langue déliée. Je vous en prie, sauvez mes amis avant qu'ils ne se fassent tuer. Ils ne savent pas se faire discret. Enfin, je suis libre. D'accord. Il y a un truc ici, je sais pas ce que c'est. Voyons voir le spectre. Ah, c'est une plante qui est affichée sur la carte. Très bien, on va récupérer de la vie même si on en a pas besoin pour l'instant. Voilà, non, des passes du monde d'espèce. Voilà, c'est bien. Et là, il y a un autre truc, il y a un autre truc qui s'affiche, je sais pas ce que c'est. C'est aussi une plante? Ah, oh, c'est aussi une plante. Il s'est commandé les Uruks, je sais. Avec lui, j'avais l'impression qu'on pouvait... Ok, on va changer d'endroit, voyons voir. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas là. Je sais plus où c'est. Ah, voilà. Armes et runes. Alors, voilà, on a des améliorations. Alors. Donc là, on a 12% de chance de récupérer un tir elfique après l'avoir tiré. Très bien, là c'est quoi? 32% de chance que les Uruks pris au dépourvu s'enfuient à proximité d'un meurtre à part... Meurtre parti... D'un meurtre partir à la tête. Ah, partir à la tête, oh putain. Très bien, partir à la tête, ok. Chance de récupérer 4... plus 4 tirs elfiques par drainage ou marquage. Non, ça c'est pourri. Compétence, immobilisation restitue 55% de concentration après avoir immobilisé un ennemi. Oh, ça peut être pas... non. Augmente les chances de dégâts d'armes en chevauchant un monstre, non. 10% de chance de récupérer un tir elfique après avoir tiré à l'arc, oui. Et là, 7% de chance, d'accord. Donc celui-ci, on va garder celui-ci, il me paraît, c'est ce qui me paraît le mieux. Là, on a quoi? Tuer un capitaine ou un chef de guerre restitue l'intégralité de votre concentration et de votre santé. Oui, ça c'est bien. Les éliminations furtives par brutalisation, ouais. Et là, c'est 52% de chance de récupération, ouais. Non, celui-là est bien, bien mieux, très bien. Amélioration. Alors déjà, on peut améliorer un truc ici. Tic tic tic. Déverrouiller un emplacement de runes. Alors les emplacements de runes, ça peut être sympa, ça. Concentration. Enfin, plus tard, on va d'abord augmenter la vie, quoique. Les tirs elfiques, ça peut être pas mal. On va augmenter la... Pour l'instant, on n'a pas assez de runes pour pouvoir avoir un intérêt à avoir plusieurs runes sur une arme. Donc on va augmenter les munitions. Ce sera mieux, je pense. Alors ça, c'est quoi? Compétence. Permet d'infliger un coup fatal lors d'une dernière chance. Ah, ça peut être sympa. Oui, ça fait un moment que j'ai pas joué, du coup. Donc appuyer... non, lancer de gag, ça, de toute façon, je l'utiliserai jamais. Ah oui, faudra que je pense à tirer dans les pieds, c'est vrai. Effectuer un drainage furtif, ça peut être simple. On va prendre celui-là. Donc les annexes, encore une fois, on verra plus tard. Voilà. Bien, ensuite, carte. Nouveau, hein, c'est quoi ça? Bon, on va faire toutes les missions qui apparaissent, on verra bien. Voilà.
Disais-je. Oui, donc sur un nouveau PC plus performant, je vais pouvoir tourner sur un nouveau PC plus performant. Et cependant, comme actuellement je suis en vacances, entre guillemets en vacances, certains savent, d'autres pas, de toute façon c'est pas très important, j'ai une connexion des plus pourries, ce qui m'empêche de télécharger le jeu, parce que je rappelle 35 putains de gigas, et ça me prendrait 4 jours avec la connexion que j'ai actuellement. Donc je vais tourner cet épisode donc là sur mon ordi moins performant, et le suivant peut-être également, ça va dépendre de comment je m'en sors, enfin je verrai bien, de toute façon je vous represseriserai au début de l'épisode prochain, et voilà. Donc attendez-vous à de la meilleure qualité d'ici le prochain ou le après-prochain épisode, ben voilà, vous le verrez de toute façon. Organiser festin pour célébrer leur victoire, déterminer, interrompre le festin pour affaiblir l'armée de Sauron, très bien. Et du grog pour tous les Uruks. Buvez! Oh, ils font de la musique et tout. Affronte-moi! Hey, tu le Putain, je vais pas avoir le temps d'interrompre ce festin juste parce que j'ai pas été assez discret. Quelle espèce de tête de petit suis-je? Allez, tue-le. Hop. Voilà, une exécution. Oh, oh. Oh là là, un gros avec un bouclier. Je ne sais pas ce que je fais. Tu m'affrontes au corps à corps avec une arbalète? Pour me faucher, mon Grog. T'es un meurtrier et un voleur. Ah, tu n'as aucun voleur. Mais attends, tu n'as aucun menteur et un voleur. Meurtrier. Oh là là. J'ai très mal fait mon imitation. Non, 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 même pas. Ouh. Ça, je rappelle que le bouton pour tirer à l'arc et le bouton pour parer c'est le même, donc du coup des fois ça me fait passer dans le truc du spectre. Ouh, ça c'est fait. Ah putain, il me casse les couilles ce bouclier. Oh, il a pris feu. J'ai fait quoi là? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que... le spectre a genre attrapé la flèche et lui a renvoyé dans sa face. Ouah. Mais c'était quoi ça? Est-ce que j'ai bien vu que le spectre a attrapé la flèche et lui a renvoyé dans sa flèche, genre comme ça? Ok, mettons. Hop. 5% de défense contre les attaques à distance. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop d'attaques à distance, donc on va pas le prendre, non? Bien, alors la carte. Oh, un nouveau. Puis on ira débloquer la tour qui est juste derrière après. Ouais, on va faire l'émission comme ça, hein, tranquille, pépère. Donc voilà, donc dans les prochains épisodes, meilleure qualité. Dû à un meilleur outil de travail. J'sais pas ce que c'est, sans doute rien. Lave-toi les oreilles, t'entends toujours les choses. Oh là là là.
La 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 la. On va se débarrasser des orques avant parce que des fois tu. Ouah, c'est quoi ce snaga? Il y avait un autre mec, je l'ai vu. Ok, cette fois on y va au cac. Je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. Je clique comme un point sur ma souris jusqu'à ce que ça passe. Allez hop! Voilà! C'est bon, c'est fini là? Ça a l'air d'être fini. Voilà! C'est fini! Bien! Très bien! Non. Alors, commencez la mission. Embuscade. Les Uruks essaient souvent de s'entretuer. Si la victime survit, elle accroît son pouvoir. D'accord. On devrait faire une pause grog. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas compris. J'ai pas fait gaffe. Oh, je le brutalise! Ouais, c'est quoi cet acharnement? On aurait dit l'animation du loup-garou dans Skyrim. Ouh! J'ai déjà rencontré toi, non? Moi encore là, pas mort, jamais mort. Moi tu es toi. Certes. On va dévorer ton cadavre. Ah ouais, c'est pas bien le coup. Il va mettre des coups, pourquoi il va mettre des coups alors que je pars? Allez! Allez! Ça va vite fait m'énerver. Voilà! Oh non, encore le. Ah mais emmerdeur de timide là! Foutu homme, tu vas voir. De me revoir. Très surpris. Non, j'ai pas l'air surpris du tout. Juste, tu me casses les couilles à tout le temps vouloir m'emmerder là. Oh, tiens! Encore? Trois. Merde, putain, il me casse les couilles, cette espèce de trou du cul d'abruti. Va falloir que je m'en débarrasse de manière définitive, lui. Pourquoi à chaque fois que je le tue, il revient? Ah oui, vous constaterez, comme je l'avais déjà dit, que la souris, ils ont eu la flemme d'en faire une nouvelle. Ah, chiotte, allez, on s'en fout. Bien. Très bien. Ok. Où en étais-je? Qu'est-ce que tu me veux? Si j'ai un nom, je ne m'en souviens pas. Main noire m'a appelé dans le néant et je suis venu. Oui, tu l'as déjà dit plein de fois. Attendez, il y a un truc ici, épreuve. On va d'abord faire ça, c'est juste à côté. Pouf! Assassin's Creed! Putain, j'avais d'autres blagues à faire, mais je m'en souviens plus. Interrompez l'épreuve, très bien. Et que voulais-je dire d'autre? Je vais parler d'autres trucs, mais je sais plus quoi.
Aucun homme ni Uruk n'ose m'affronter. Seule une bête le peut. Ah, mais j'ai déjà affronté toi, non? N'attendez pas à ça. Peu importe. Ah ah, j'ai interrompu ton épreuve. Wow. Eh, j'appuie sur mage. Ah wow wow. Ah tiens, casse-toi. Ça c'est pas mal. Il se passait quoi? Mission terminée. Épreuve, très bien. A fui. Non, n'a pas fui. Et retour. On se retrouvera, rôdeur. Ouais, ouais, tout de suite. On se retrouve tout de suite. Je vais te tuer tout de suite. Voilà! Tu vois tout de suite. Ouh! Faudrait que je trouve comment on se débarrasse de ces putains de bêtes. D'accord. Alors hop là. Voilà, hop, récupère ça. Les meurtres par empoisonnement restituent 55% de concentration. Très bien, ça je m'en fous. Bien. Voilà, donc maintenant, il se passait quoi là? Visiter pour relever cette région. Herbe. Oulolo. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc. Hein. Attirer l'attention du capitaine noir d'une lune. Ah, faudra aller là, c'est la quête principale, très bien. Mais moi je veux d'abord aller là. Voilà. On va se barrer. Genre tranquille pépère. Tiens, du soin, ça fera pas de mal. Hop. Que voulais-je dire d'autre? Oui, je sais de quoi d'autre je voulais parler. Donc vous aurez pu constater que, bah, tout le monde l'a constaté, que Bob Lennon s'est également mis à faire un let's play sur ce jeu. Alors faut savoir que je m'y attendais complètement à ce qu'il fasse un let's play sur ce jeu. Parce que même dans les bandes annonces, dans les extraits, etc., c'était complètement le genre de jeu sur lequel il joue d'habitude. Enfin, je veux dire le genre de jeu où il fait ce genre de truc quoi. C'est complètement son style de jeu. Et aussi que voulais-je dire d'autre? Voilà. Il est mort? Ah non, il est pas mort non plus. Voilà, tu es mort maintenant. Et donc je vais tourner à ce qu'il fasse ce let's play. Et voilà. Mais à vrai dire, c'est complètement aussi le genre de jeu, il le dit lui-même que. Hop, ah bah ça passe automatiquement dans le monde du spectre, c'est ce que je voulais faire, mais ça le fait tout seul, très bien. Ça, c'est pas mal. C'est complètement le genre de jeu qui le dit lui-même, que c'est de la merde, mais qu'il joue quand même parce qu'il s'amuse dessus. Lune, comme dans l'Ithildin, ces morceaux de pierre d'un passé à moitié présent ou à moitié oublié. Qu'est-ce que tu dis comme truc? Je vais même pas chercher à comprendre. C'est de la merde, mais il s'amuse dessus quand même. Parce qu'il en a rien à foutre, il le dit lui-même. Hein. Il suffit de regarder ses vidéos pour le savoir. Tac, tac, tac. Ça fait un moment qu'il me surveille. Il reviendra. Tuc. Très bien. Pour finir cet épisode, donc on va aller. Oui, oui, j'ai compris. On va aller là-bas pour finir cet épisode. Comme ça, ils nous casseront pas les couilles. En espérant que j'ai le temps d'y arriver, mais je pense que oui.
puis au prochain épisode, on continuera à faire des missions comme ça au pif, l'histoire de... d'augmenter un petit peu de puissance, comme ça on n'aura pas de problème pour finir l'histoire. Voilà. Et donc vous avez été très nombreux à me dire que vous regardiez aussi celui de Bob Lennon. Alors faut savoir que moi je regarderai évidemment, je regarde de toute façon je regarde tout ce qu'ils font Fanta et Bob, mais je regarderai pas avant moi-même d'avoir fini le jeu, tout simplement parce que je ne... Hop, d'accord. C'est pas vrai. Et va l'assassiner, va l'assassiner. Non, il a pas voulu l'assassiner. Ah bah il est déjà mort, très bien. Je regarderai donc évidemment, mais pas avant d'avoir fini le jeu moi-même. Il y a également une autre personne que je suis qui fait ce let's play mais que je regarderai également plus tard. Tiens, alors, on va le tuer parce que ça permet de libérer des otages et si j'ai bien compris ça fait des accomplissements ou je sais pas trop quoi. Donc on va le faire. Voilà. Je te suis redevable. Oui oui, tu m'es redevable, c'est bien. Faut agir maintenant. Et voilà. Et donc vous avez été aussi nombreux à comparer mon let's play à moi avec celui de Bob Lennon. Ils n'ont pas besoin de se cacher derrière ni rien. Je trouve ça fort peu approprié dans le sens que justement, lui il fait ça juste pour faire des ouah et ce genre de trucs quoi, comme il fait d'habitude. Alors que moi je le fais en tant que fanatique du Seigneur des Anneaux. Donc forcément, ce jeu porte à conflit en la matière. Vous avez été très nombreux à le comprendre ça aussi, hein, même si encore une fois vous avez été majoritaire à dire que vous n'aimez pas que je râle tout le temps. Donc j'espère ne pas l'avoir moins fait. Je vais tâcher de le faire moins dans les épisodes suivants. Assassinat et... Voilà, fuis! Ah! D'accord. C'est bon? Vous arrêtez de me casser les couilles. Je sais pas ce qu'il fait cet idiot là, mais il le fait. Oula, c'était quoi ce saut? Quel était ce saut? J'ai plus de tir elfique, non! Entrez dans le monde de spectre pour trouver des tilines proches. Ah, il y a des tilines proches. Dieu merci. Merci. Ah, je le vois pas. Hein. C'est pas grave. Cette fois, je vais te tuer. Voilà, tiens. Je suis trop malin pour ça. Trop malin, c'est en train de te faire violer pourtant. Cette fois. Je ne suis pas un gars, je me souviens de ça. Cette fois, je vais me débarrasser de toi. Oh non, non, t'as pas intérêt à fuir. C'est pas vrai, non. Voilà, enfin. Enfin, on l'a débarrassé de ce connard. 75% de chance de récupérer 50% de concentration lors du... Non. Non, 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 non. Ah, la tour est juste à côté, très bien. C'est qui toi? Les gars passent leur journée à regarder derrière eux à cause de toi.
Mais je vais les rassurer. Salut mec. Sauf que non, j'avais pas prévu de faire ça, donc je vais fuir. Donc voilà, donc je trouve ça fort peu approprié de comparer nos deux let's play, étant donné que nous ne le faisons pas dans le même objectif, ni dans le même but, ni dans le... ni de la même manière, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc on va débloquer cette tour et arrêter l'épisode ici, en n'ayant rien à foutre des mecs qui sont en bas. Voilà. Quelle pierre magnifique. Cette tour renaît comme moi. Si tu le dis. Très bien. Hop, donc au prochain épisode, on fera encore quelques missions comme ça. Voilà. Et j'essaierai de me souvenir des blagues que mon ami m'avait dit de faire, parce que je les ai complètement oubliées. Enfin, j'en ai fait qu'une seule. Voilà. Donc sur ce, je vous dis salut à tous et à plus pour un prochain épisode. Allez, salut !